Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission, donc émission numéro 7, direct de la fabrique, la transition hennessienne. Donc bienvenue dans cette nouvelle émission, j'invite à me rejoindre tout de suite Jacques. Salut Jacques. Bonjour. Salut Claude, bonjour à toi, chers téléspectateurs, bonjour à vous. Voilà, Alors donc une nouvelle émission oui, une quasiment d'été émission aujourd'hui. ouais, exceptionnelle, puisque nous avons le plaisir d'accueillir tout à l'heure Martine Montvernet, qui a créé un groupe Facebook remarquable de 70 000 abonnés, qui s'appelle Les Potes Autonomes, pour aller vers un futur, l'autonomie qui est la clé de notre futur. Et ça, c'est dès le début. Alors, je vais juste peut-être présenter en deux mots ce qu'est la télé locale que nous présentons ce soir. Nous avons commencé avec ce que j'appelle, moi, l'assignation nationale à résidence de tout le monde, que d'autres appellent le confinement. Et donc, nous avons mis en œuvre un lien entre les personnes, puisque les gens amenaient la nourriture aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, on faisait de la musique dans les EHPAD, il y a eu des aides aux devoirs, enfin énormément de solidarité. Et quand en début mai, on a pu revenir à une vie un peu plus normale, à ce moment-là, on s'est dit, maintenant, on va rentrer plus dans un temps de construction. Et donc, l'autonomie, dès le départ, on a indiqué, est la base, et justement, c'est le thème du jour, puisque ben, il est nécessaire de se prendre en main un maximum. Hein, on a vu que c'est absolument obligatoire dans les temps mouvants que nous sommes en train de vivre. Et donc, c'est à ce titre que on a souhaité faire cette émission avec ce groupe Facebook. Voilà. Alors, je pense qu'on va pouvoir passer ben, tout de suite la parole à Martine Montvernet. Et on verra tout à l'heure qu'on aura aussi plusieurs potes autonomes qui viendront témoigner. Bonsoir, Martine. Bonsoir Bonsoir Martine. tout le monde, bonsoir les Annecéens, les Annecéennes, et bonsoir tous les potonomes. C'est une grande première pour le groupe de passer Voilà, direct. tout à fait, je dois dire donc que tu as fait une interview, même une émission sur France Culture, et que tu es la première, nous sommes la première télé dont tu acceptes de participer à une émission. On te remercie beaucoup pour ça. Je vais te poser la première question, Martine. Tu es à l'origine donc de ce groupe qui partagent des solutions pour gagner en autonomie et voire même vivre en autosuffisance. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ton histoire et comment et pourquoi la recherche d'autonomie est devenue ta préoccupation principale, et je crois notamment sur la question de la préservation de l'eau, qui est très importante, puisque 2020 est pour le groupe des potes autonomes l'année de l'eau. Alors, je suis venue à l'autonomie par une émission de télévision quand j'avais 5 ans. C'était une émission pour les enfants avec une maison en moyenne montagne, en autonomie, avec une famille très joyeuse qui faisait la lessive, le jardin. Et j'avais dit à ma maman, je veux ça quand je serai grande. Je suis quand même d'origine d'une famille de gens qui étaient naturellement autonomes. Mes grands-parents, mes parents avaient un jardin, faisaient des conserves comme autrefois. Et puis en 2008, il y a eu la crise et j'avais dans mon entourage beaucoup de gens qui galéraient. Et j'ai créé donc ce groupe pour mes amis et pour ma famille. Donc avec une recherche d'autonomie pour le chauffage, pour l'énergie, pour l'autonomie alimentaire. Bon, je travaillais encore à l'époque, j'étais directrice de maison de retraite, donc je n'avais pas beaucoup de temps, mais petit à petit. Et donc le groupe était fermé, secret, avec vraiment une cooptation très restreinte d'amis, d'amis, rien de plus, et de la famille. Et puis en 2017, un des membres du groupe, un médecin, a dit non, c'est pas possible, tout ce qu'on a amassé comme connaissances, parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé dans tous les sens. Il a dit non, c'est pas possible, Martine, il faut qu'on partage. Je salue James au passage, c'est lui qui m'a fait ouvrir le groupe. Et donc on a explosé. On a ouvert le 20 mai 2017 au public et en juillet, on était déjà 20 000. Ça répondait à une vraie demande et une angoisse des gens. L'autonomie était nécessaire dans l'esprit de beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, ben, ça a évolué. Et maintenant, on n'est plus de 100 administrateurs et on a fait évoluer autour de l'autonomie et la clé de nos futurs un certain nombre de sous-groupes à thème
la droguerie, la boulangerie, la boucherie, la couture, les travaux du bois, même les travaux de la forge, le jardin, le design en permaculture, la permaculture, la greffe, le troc de graines, même la santé intégrative et le jardin des simples au niveau de la pharmacie, ce qu'on appelle nous la pharmacie du bon Dieu. Vraiment, ça a évolué petit à petit. Et aujourd'hui, un de nos membres a demandé à ce qu'on élargisse encore avec un sous-groupe pour créer des emplois locaux. Et donc, on va le faire. Génial. Donc, ça évolue en permanence. Donc, vous avez beaucoup de sous-groupes qui soient des sous-groupes techniques, sur des thématiques, pardon, je veux dire, et aussi des sous-groupes géographiques, parce qu'il faut dire que vous avez des adhérents, des abonnés sur plus de, je crois, 60 pays. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'organisation géographique? Comment est-ce que les gens se structurent? Je crois qu'il y a des rencontres également qui se font entre les gens. Et alors, voilà, vas-y. Tout à fait. On s'est rendu compte que la nécessité de se rapprocher les uns des autres était importante. Donc, on a commencé par diviser la France en régions, les anciennes régions, pour être plus proche. Dans les régions, on a encore divisé en départements. Et puis, petit à petit, beaucoup de départements ont demandé, de pays ont demandé à participer, avec des ressortissants français souvent. Hein. Et on est donc présent dans énormément de pays, sur 4 continents. Et petit à petit, il y a vraiment à peu près 45 000 personnes en France et tout le reste est à l'étranger. Donc, il y a énormément de gens qui comptent sur nous à l'étranger pour transmettre un certain nombre de savoirs qu'ils n'ont pas forcément à disposition dans les pays dans lesquels ils se trouvent. Ouais, alors je trouve ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de savoirs qu'on pensait perdus, mais qui ne le sont pas, parce que dans un coin, quelque part, les gens ont gardé les légumes locaux, la façon de faire de la vannerie, etc., etc. Et tout ça, vous avez effectivement regroupé avec des fiches techniques d'ailleurs, hein, et tous ces savoir-faire qui sont donc à disposition des membres du groupe. Alors justement, pendant le confinement, vous avez été littéralement assailli, je crois, avec plus de 1000 demandes par jour. Donc, comment vous avez réagi? Oui. Combien? On s'est fermé pendant le confinement parce que c'était pas gérable. Voilà. On a tout de suite compris qu'on allait avoir affaire à plein de gens qui étaient là parce qu'ils avaient vu la lumière et qu'ils étaient désœuvrés. Nous, on ne pouvait pas assumer 1000 demandes tous les 3 jours. C'était trop difficile. On a un code et une charte à respecter. On n'utilise pas les codes de Facebook avec les gros gifs, avec les gros panneaux. On travaille vraiment avec des postes techniques dans tous les sens et on demande aux gens de faire du concret, d'apprendre à faire du concret. Même ceux qui commencent et qui sont de tout petits autonomes, parce qu'ils nous le disent souvent, un petit pas après l'autre, on partage les vraies valeurs de départ. On va en parler un petit peu plus tard, mais ce sont vraiment les petits pas, les uns derrière les autres, qui font qu'on arrive à une autonomie totale un jour. Ça ne vient pas en 5 minutes. Oui. Alors, pourquoi est-ce que cette année, vous avez choisi le thème de l'eau comme votre année, le thème de l'année? Parce qu'en 2019, on a beaucoup souffert de l'eau dans les jardins. On s'est rendu compte petit à petit, au fil des années, que l'eau allait poser un problème. Beaucoup d'eau au printemps avec des inondations et en juillet-août, plus d'eau du tout. Donc, on incite tout le monde à faire des réserves d'eau, de l'eau de puits, à restaurer les vieux puits, justement, à construire des réserves en groupe. On favorise énormément l'entraide entre les autonomes et ça marche. On a eu des exemples fabuleux, notamment au niveau de transition entre des gens qui vivaient dans des studios très chers, malsains, et qui sont arrivés à acheter des petites maisons dans des villages reculés du centre de la France pour moins cher que le loyer qu'ils avaient dans un studio. Et ça, c'était vraiment... c'était vraiment une grande victoire pour nous. Je pense à Michel qui m'a autorisé à la citer. C'est vraiment une grande victoire parce qu'elle est en train de montrer à des tas de gens qu'on peut petit à petit, en faisant des économies avec le zéro déchet, avec les conserves, avec tout ce qu'on peut faire encore en ville, on peut arriver à passer dans une maison et à avoir une vie bien meilleure. Alors oui, ça sera le thème qu'on va être tout à l'heure dans la discussion qu'on aura. Voilà. Comment, dans un cadre urbain, on va voir qu'on peut faire beaucoup de choses. Également, je crois que
un petit peu, alors on peut dire que Annecy a été le lieu de création des biocoop en France, parce que c'est des gens qui voulaient bien manger et donc qui ont commencé à faire des achats groupés. Mais ensuite, c'est devenu 650 magasins. Bon, voilà, une grosse affaire. Donc, vous aussi, maintenant, vous mettez en place des achats groupés, mais plus en solidarité, en entraide entre vous. Qu'est-ce que vous faites à ce sujet? Alors, on travaille beaucoup. On a toute une équipe d'anime derrière tout ça qui épluche les propositions de commandes groupées. On a travaillé plus de 2 ans sur les commandes groupées de solaire en particulier. On travaille avec un technicien. Je salue Julien au passage. Julien Permabatterie. Et donc, petit à petit, il aide. Alors, évidemment, ça, c'est pas gratuit, hein, c'est son travail, mais avec beaucoup de technicité à nous faire passer en autonomie totale électrique. Il y a sur le groupe énormément d'opposants au compteur Linky et tous les gens qui sont opposés passent en autonomie électrique totale. Et donc, on accompagne, parce qu'avant de passer en autonomie électrique, il faut avoir tout un tas de démarches au niveau, alors ça, c'est Vincent qui en parlera, au niveau de l'isolation. On supprime les matériels qui sont très énergivores, et chaque fois qu'on change de matériel, on fait attention au A++++, et on supprime tout ce qui n'est pas nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on vit au Moyen-Âge, hein. L'autonomie est souvent considérée comme le Moyen-Âge, ça n'est pas le cas, j'insiste beaucoup là-dessus. Autrefois, dans une ferme, il y a 3 ou 4 siècles, il y avait 15 personnes, et tout le monde avait un petit boulot. Aujourd'hui, on est tout seul dans sa cuisine pour faire ses conserves, et il nous faut du matériel. Et pour le bricolage, et pour le reste, on travaille avec du gros matériel. Mais on fait quand même attention à ce que ce matériel ne soit pas énergivore. Alors, pour être concret, voilà, je te laisse commenter. Alors là, c'est l'installation de Mumula Rose pour les potonomes. C'est une conversion d'une Parisienne qui a tout lâché pour partir rejoindre les Bretons et qui a fait son installation et qui est sortie complètement du circuit. En voilà une autre aussi d'installation, la montée sur bois. Elle prouve, Mumula Rose vient de le faire, elle prouve qu'on peut être au confort avec une dizaine de panneaux et une installation bien construite. Il faut faire très attention à la façon dont on la construit. Mais on peut être autonome en électricité, on peut être autonome en eau. Je suis moi-même autonome en eau depuis 34 ans. Ça veut dire que je n'ai pas l'eau de la ville depuis 34 ans. Alors voilà, pour être autonome en eau, il y a des matériels. Alors au niveau des commandes groupées, on avait les commandes groupées de Berquet. C'est un filtre qui est recommandé par toutes les ONG internationales au niveau de la potabilité de l'eau. On peut commander le filtre en entier ou alors on peut le faire avec des faitouts. Et là, on voit les images de quelqu'un du groupe qui a commencé à faire ses réserves d'eau de pluie. Et là, un autre qui récupère ses eaux de toit et qui utilise la gravité de l'eau. Alors lui, il est très intelligent, il utilise la gravité de l'eau, ce qui fait qu'il n'a même pas besoin de pompe pour utiliser de l'eau s'il n'a pas d'électricité. Donc, voilà. D'autres font des petites récupérations. De toute façon, presque tout le monde commence par des petites récupérations et ça finit par des très grosses. Voilà, en voilà une très grosse. Ouais, je vois qu'en fait, ça peut même s'appliquer. Alors, dans un cadre urbain, je veux dire que ça peut se faire aussi, en partie. Tout à fait, tout à fait. Ça peut même se faire dans certains immeubles. Quand la copropriété est d'accord, l'autonomie peut être possible. Oui, nous avons une démarche que nous avons entreprise la semaine dernière avec une copropriété d'Annecy. Et pour l'instant, on n'a pas envisagé ça, mais en faisant le tour de cette immense copropriété, on voit qu'il y a des possibilités et je sais qu'il y a des immeubles qui le font effectivement. Alors, magnifique, et je vois que tu es très populaire. Tu as beaucoup de remerciements. Je te laisse lire au fur et à mesure. Hein, les amis, je pense, les gens que tu connais certainement. Alors, dans les rencontres, on se rencontre les uns les autres et on rencontre beaucoup de gens, oui. Au fur et à mesure des années, on connaît pas tout le monde, c'est pas possible, mais on connaît beaucoup de gens. Voilà. Également, tu as une expérience des cultures, puisque c'était le thème de la semaine dernière, des cultures en appartement et sur balcon. Alors, on incite beaucoup. On a distribué un gros document de 129 pages pour la culture sur les balcons. Et on a des gens, effectivement, qui sont en ville et qui cultivent sur leur balcon de façon extraordinaire. On a une Belge, il n'y a pas bien longtemps, là, qui nous a montré toutes ses réalisations.
c'est pas mal du tout. On peut arriver à compléter et avoir du frais quasiment toute l'année sur son balcon. Alors évidemment, on va peut-être pas faire toutes les conserves d'une autonomie complète, mais c'est le premier pas. On dit souvent que c'est le premier pas qui coûte. En autonomie, c'est pas vrai. Le premier pas, c'est celui qui émerveille. Ah, c'est magnifique. Alors, d'accord. Donc là, on a vu tout ça. Il y a encore des photos, Claude, qui sont disponibles? Oui, alors en fait, on a énormément de thématiques puisque vous abordez des sujets aussi divers et variés. D'ailleurs, on peut peut-être, si vous êtes d'accord, je vais simplement vous partager le site web dont on a affiché l'adresse, qui est une petite overview un petit peu de l'annuaire thématique que vous proposez. Donc, si on regarde un petit peu la manière dont est structurée aujourd'hui votre organisation. Donc, on a le groupe mère qui est le groupe principal, je crois, sur lequel on entre par cooptation. Donc, c'est le groupe principal. Et puis ensuite, vous déclinez donc des groupes thématiques, alors sur des domaines aussi divers et variés, comme on peut le voir. Donc, sur la thématique des animaux, on a de l'apiculture, on a de la pêche, de la chasse, de l'élevage. Dans les thématiques de la cuisine, on va retrouver tout un tas de choses autour de la boulangerie, de la cuisine du monde, des repas. Enfin, je vous laisse découvrir. Donc, toutes ces thématiques, ce sont autant de personnes qui s'inscrivent dans ce groupe, qui contribuent, qui produisent du contenu, de l'expérience, qui partagent, qui ont de la connaissance. Donc, on voit l'extrême profondeur. On a parlé rapidement de l'eau et de l'énergie. On pourra y revenir. Donc, on a beaucoup de domaines qui sont illustrés. Donc, on peut peut-être balayer. Je vous inviterai à aller voir le site web et toutes les thématiques et vous trouverez certainement des choses qui vont vous intéresser dans toute cette richesse de contenu qui sont à la fois déployés en termes d'expérience et même de la médecine douce et ainsi de suite sur le volet social. Donc, les sujets de l'autonomie sont vraiment très, très vastes. Alors, sur les thématiques, peut-être qu'on peut aborder certains exemples que vous nous avez envoyés, notamment, nous, il y a une expérience, je ne sais pas si vous allez en parler tout de suite ou pas, mais où en fait, il consiste même à s'implanter, donc à changer de lieu de vie, hein, puisque c'est aussi une démarche effectivement qui peut être engagée. Donc, vous avez envoyé des choses, je crois, sur une personne que vous avez accompagnée dans le changement de son habitat, en fait. Donc, on peut illustrer peut-être cette thématique-là, si vous le souhaitez. Après, on a des sujets donc autour de l'eau, on les a évoqués. Il y a sur le transport à partir des animaux, il y a sur l'élevage, la permaculture, sur, on va dire, l'organisation du cellier et le fonctionnement d'un cellier. Donc, on a plein de sujets. Donc, je vous invite, Martine, peut-être on prend les sujets les uns derrière les autres, puis à nous les commenter. Allez-y. Voilà. Alors, on a parlé, on a eu pas mal de photos sur les élevages, parce que ben effectivement, vous avez dans vos adhérents, dans vos autonomes, des gens qui font de l'élevage. Alors ici, on a des ravissants petits cochons hein, qui se promènent dans la mare. Mais on va voir les. Ça c'est pas. Les photos de Laurence, ça c'est Laurence, on verra ça tout à l'heure. Pardon. On va lui passer la parole. Ah oui, alors, oui, pardon, c'est l'élevage. Alors j'ai d'autres photos effectivement d'élevage qui sont pratiquées. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. J'ai six oiseaux qui sont nés cette semaine. J'aurais pu vous en présenter hein, d'ailleurs. Les cochons, c'est pas tout le monde quand même. Hein. La majeure partie des autonomes s'en tient à l'élevage de la basse-cour. Mais il y en a qui vont plus loin avec les chèvres, les brebis, les cochons. Il y en a certains même qui envisagent d'avoir une vache. Nous avons un médecin sur le groupe qui… Voilà, un œuf qui est clos là, c'est ça, en bas. Et puis les autres sont en train de naître. Voilà, qui sont en train de naître. Mmh. On a un médecin qui a créé une micro-ferme avec ses collègues. Ils sont cinq à tour de rôle. Et dans la micro-ferme, il y a absolument tous les animaux de la ferme pour pouvoir manger sain. Et sain et serein pour éviter de se dire bonne chance quand on mange, parce que l'autonomie c'est ça aussi, on en parle souvent avec Laurence, c'est manger 3 étoiles l'autonomie, c'est manger bio, c'est manger sain et c'est manger frais. Quand on le disait souvent, quand on ramène un plat de pommes de terre, voilà. Alors c'est à l'écran, c'est une de nos autonomes qui a démarré et en un an elle nous a fait ça. C'est-à-dire qu'elle a démarré en une année. Elle a vraiment réussi, mais en plus, elle a fait une décoration dans son cellier qui était fabuleuse. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça génial.
On essaye aussi de faire du zéro déchet, même jusque dans les étiquettes. Hein. C'est des étiquettes, c'est des récupérations de carton et on attache avec un scotch, un élastique, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'enlever les étiquettes. Et voilà, ça, ce sont des gens qui font des conserves, même en ce moment. Il y en a qui vont se reconnaître dans leurs conserves. Et on parle aussi d'une chose qui est importante, c'est que l'autonomie amène quelque chose d'important, l'abondance. C'est que on est dans une société où beaucoup de gens peinent à se nourrir. L'autonomie, le jardin et la gestion d'autrefois amènent l'abondance chez des gens qui ne l'avaient pas. Je veux faire un petit témoignage personnel. C'est qu'on a planté un cerisier dans notre jardinet il y a une dizaine d'années qui donnait 5 cerises chaque année. Et cette année, il a donné plusieurs milliers de cerises. Donc voilà, voilà. C'est l'explosion d'un seul coup. Il faut attendre. Il faut attendre. Voilà. La nature, c'est l'école de la patience aussi, un petit peu. Et on essaye, justement, ça c'est une image qui le montre bien, on essaye aussi à travers l'autonomie de préserver la nature et tout ce que tout le monde pense comme étant des nuisibles, on essaye de les protéger. Voilà, par exemple, là vous avez un magnifique bouillon blanc qui est devant les pieds de tomates et lui il amène les pollinisateurs. Et accessoirement, les fleurs ramassées au jour le jour et séchées serviront dans les tisanes pour la toux l'hiver. Donc, alors ça, c'est le design en permaculture. Vincent vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Et qu'on peut aussi faire des jardins qui sont beaux, agréables. Alors, j'ai pris des photos au hasard dans tout ce qu'on a parce qu'on en a vraiment des milliers. Alors, il y a des gens qui vont être contents parce qu'ils vont se reconnaître. Il y en a un récemment qui vient d'installer sa source pour arroser tout le jardin. Les sources, les puits, les réserves d'eau sont vraiment valorisées. Et j'insiste sur un point, l'eau n'est pas rare. 86% de l'eau qui tombe sur terre retourne à la mer. Et elle retourne à la mer parce qu'on bétonne trop. Et pour pallier à ça, on peut essayer de faire des réserves d'eau de partout et les utiliser sans gaspiller, mais les utiliser à bon escient. Alors voilà, ça c'est un autre de nos autonomes. Lui, il y est allé carrément. Il a restauré l'attraction animale. Il y en a, comme Lolotte du reste, hein, il va en parler tout à l'heure. Eh ben, je crois que la transition, on va peut-être faire la transition. De toute façon, tu vas rester en ligne. On verra d'autres photos après. Eh ben, merci beaucoup Martine pour cette première présentation. Et ça continue avec Laurence, qui est surnommée Lolotte, parce qu'elle est dans le Lot. Et Laurence, donc, tu es installée dans ce département. Est-ce que tu peux nous... D'abord, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler des solutions que tu as mises en place pour devenir autonome, notamment sur l'autonomie alimentaire? Comment est-ce que tu parviens à vivre avec extrêmement peu de moyens? Alors, tu es, comme tu es effectivement un petit peu dans un coin où la ligne n'est pas bonne, donc tu es par téléphone, je précise, on voit juste ta photo. Oui, là, je suis désolée, mais effectivement, la connexion Internet chez moi, c'est pas ça. Donc, nous, notre démarche, ça a été il y a 11 ans de quitter une société qui nous convenait pas, où on avait l'impression de perdre notre vie à bosser pour essayer de grappiller quelques sous pour... Et la société de consommation, c'était pas notre but. Donc, un jour, on a sauté le pas. On a tous les deux lâché notre travail, vendu la maison qu'on habitait et on s'est installé dans le Lot, donc sur 5 hectares avec une maison à retaper. Et la première chose qu'on a faite, comme on n'avait plus de travail ni l'un ni l'autre, ça a été de se dire qu'il fallait qu'on produise notre nourriture puisqu'on n'avait plus trop d'argent pour l'acheter. Et ça a commencé par le terrain était nu, hein, il y avait rien du tout, c'était des prairies. On a commencé par ouvrir un grand potager, alors parcelle après parcelle. La première, c'est celle qu'on voit en photo. Après, on en a ouvert 3 autres. En tout, maintenant, on a 1200 mètres carrés cultivés. On est arrivé en septembre et dès le mois de juin, on était autonome en légumes, c'est-à-dire qu'on n'avait plus du tout besoin d'acheter de légumes. Et puis, petit à petit, on a multiplié le nombre de variétés cultivées. On a ajouté des légumineuses, comme les pois chiches, par exemple, là, qu'on voit sur la photo. On fait des haricots aussi. Bon, les lentilles, c'est pas une réussite pour l'instant.
Et puis on s'est mis aussi à faire des céréales, donc essentiellement du maïs, parce que moi je suis intolérante au gluten, donc le blé ça m'intéressait pas trop. On fait donc du maïs pour la farine, on fait de l'avoine, et puis des pseudo-céréales, c'est-à-dire du sarrasin, du quinoa, du mil, du sorgho. Donc on n'est pas juste autonome en légumes, c'est-à-dire qu'on se nourrit quasiment à disons 98% avec ce qu'on produit chez nous. Pour ces cultures, donc en parallèle de ça, parce que pour en revenir sur comment on arrive à, avec peu de moyens, donc en parallèle de ce jardin et du verger qu'on a créé à côté, on a aussi isolé la maison, installé un chauffage au bois à bûche, donc un poêle à bois, et on fait notre bois nous-mêmes sur le terrain. On a aussi installé du solaire thermique. Alors 6 mois par an, l'eau chaude de la douche, elle ne coûte que l'eau, quoi, en fait. On a aussi installé des panneaux photovoltaïques ensuite, ce qui fait qu'on est autonome en électricité. Et on a 80 mètres cubes de citerne pour la récupération d'eau, ce qui fait qu'on est aussi autonome en eau. Donc pour en revenir plus particulièrement à l'autonomie alimentaire, donc ces grandes parcelles de potager, on les travaille selon le principe de la permaculture. Donc aucun intrant chimique, aucun traitement chimique, des associations de légumes et de fleurs, comme on peut voir sur la photo là, avec des calendulas et les aubergines mélangées. On travaille aussi selon des associations assez anciennes, comme par exemple les Trois Sœurs, qui est une association de maïs, courge et haricots d'origine amérindienne. Donc le maïs, c'est un maïs à farine qui se récolte mûr à l'automne, les courges aussi, et les haricots, c'est des haricots secs à écosser, donc qui se récoltent, tout se récolte en même temps. Et l'avantage, c'est que le maïs sert de tuteur aux haricots, les haricots fournissent des sucres au maïs, et les courges couvrent le sol, ce qui limite l'évaporation et économise l'eau d'arrosage. Alors Laurence, j'ai une question, justement ça, moi j'avais entendu parler depuis longtemps, qu'effectivement en Amérique du Sud, il y avait cette association qui sert l'un sert de tuteur à l'autre et protège de l'ombre, enfin, l'ombre, etc. quoi. Comment est-ce que dans le groupe, vous échangez ces choses-là entre vous ? Bah, c'est-à-dire qu'on a un sous-groupe jardinage et enfin, moi, j'y poste assez souvent mes expérimentations au jardin parce que ça fait plus de 30 ans que je fais du jardin, mais je continue à expérimenter, à apprendre, à avoir des échecs aussi parce que tout ne fonctionne pas comme on voudrait, mais on apprend de ses erreurs. Et donc, moi, je j'y présente pratiquement tout ce qu'on y fait et tous les membres le font aussi, et on se répond chacun en disant ben voilà, moi j'ai fait comme ça, ça a marché, ah moi j'ai fait ça, ça a pas marché, et on apprend. C'est une encyclopédie interactive immédiate, c'est extraordinaire. Alors vous échangez par message écrit, est-ce qu'également des fois il y a des coups de fil, est-ce qu'il y a des rencontres? Alors pour moi très peu, parce que notre mode de vie fait qu'on est quand même très obligé de rester sur place parce qu'on a des animaux, ces grandes cultures qui nous nourrissent, elles ont besoin d'être entretenues, récoltées, arrosées, donc m'absenter pour moi c'est difficile et puis j'y tiens pas particulièrement. On essaye aussi d'économiser le carburant, donc on fait le moins de voyages en voiture possible. Par contre, le Facebook, c'est un outil extraordinaire. On échange sur le site, on échange en message privé quand vraiment la discussion ne concerne que deux personnes et qu'on va pas polluer le fil de discussion. Il peut arriver qu'on s'appelle, mais enfin, en général, ma ligne téléphonique étant fixe, c'est un peu compliqué pour me joindre. Voilà. D'accord. Donc là, je t'ai interrompu, excuse-moi, sur la permaculture. Ensuite, tu travailles aussi avec les prédateurs naturels, qui sont en fait des auxiliaires. Je te laisse continuer. Oui. Alors, pour en revenir aux Trois Sœurs, faut quand même savoir que le maïs que je cultive, moi, c'est un maïs population locale. Donc, ça n'a rien à voir avec les maïs modernes. Ils ont bien moins besoin d'eau. Ils sont bien plus résistants aux maladies. Et d'ailleurs, on voit les photos, là, j'ai
fait des récoltes vraiment conséquentes avec zéro intrant, zéro chimie, zéro traitement. D'ailleurs, même en bio, je ne traite jamais. Je pars du principe que la plante doit s'adapter. Je fais mes semences. Je fais toutes mes semences pratiquement. Donc, je ne traite pas les plants malades. Eh bien, je ne les garde pas pour les semences. Et du coup, d'année en année, ces plants deviennent de plus en plus résistants. Par exemple, je fais mes semences, je fais aussi tous mes plants. C'est-à-dire que j'achète jamais de plants quand je dois faire des plants de tomates. Mon mari m'a bricolé une petite serre, donc chauffée avec un câble chauffant, avec des LED horticoles pour reproduire le rayonnement solaire, et je fais tous mes plants avec ça. Et j'ai des plants de tomates absolument somptueux, résistants. Je ne traite jamais contre le mildiou et j'ai pas de soucis. J'ai des récoltes conséquentes. Comment ça se fait des semences ? C'est relativement simple à apprendre ou c'est quelque chose d'un processus long qui demande des années à comprendre et à expérimenter ? Alors, c'est-à-dire que pour des gens qui, pour la plupart, n'ont pas connu ça dans l'enfance, et c'est mon cas, hein, moi je suis une petite parisienne, je suis née à Paris, j'ai grandi en banlieue, j'ai jamais fait de potager avant d'avoir plus de 20 ans. Et il a fallu que j'apprenne tout et personne n'était là pour m'apprendre, j'ai appris dans les livres. Mais je suis tombée amoureuse des plantes parce que c'est des êtres vivants absolument d'une complexité extraordinaire, presque plus que les animaux. Et avoir la main verte, en fait, c'est avoir de l'empathie pour ces plantes parce qu'elles s'expriment, elles communiquent, mais pas par des sons, pas par des gestes, puisqu'elles ne bougent pas, mais par leur attitude. Et quand on a de l'empathie pour les plantes, eh ben on arrive à comprendre ce message. Alors c'est long parce que c'est plus facile de communiquer avec son chien parce que c'est mini, qu'il est tellement proche de nous qu'on peut le comprendre. Avec une plante, c'est plus compliqué. Mais avec le temps et l'expérience, eh ben on peut arriver à comprendre quand une plante elle vous dit j'ai faim, j'ai soif, j'ai trop chaud, j'ai froid, la terre dans laquelle tu m'as mis me plaît pas. Les plantes à côté desquelles tu m'as mis ne me plaisent pas. C'est possible, mais ça prend du temps. Bah écoute, tu as vu, peut-être tu n'as pas eu le temps de voir. Non, oui, est-ce que tu vois l'écran là, de chez toi où t'es juste? Ah non, mais téléphone. Moi je ne vois rien du tout, moi. Ah ben, parce que tu as vraiment des Sophie, des personnes qui sont très heureuses de pouvoir t'entendre ta voix parce qu'elles ont communiqué que par écrit pour l'instant avec toi, Sophie, Jacob, voilà, c'était déjà bien de vous lire, mais tellement agréable et motivant de vous entendre. Voilà, donc c'est aussi, on fonctionne avec les moyens modernes, ça aide dans ce sens-là, tu n'as pas tout, mais ça suffit, les gens t'entendent et sont déjà heureux. Est-ce qu'on peut passer maintenant à l'aspect des animaux? Donc est-ce que, Claude, tu peux aussi, par rapport à la traction animale, est-ce qu'il y a eu des... On les a vus un peu tout à l'heure. Est-ce que, Laurence, tu peux nous parler à la fois de l'attraction animale et de ta production d'œufs et de viande? Oui. Alors, l'attraction animale, donc au début, quand on est arrivé, moi, je voulais travailler le terrain à la main. J'étais un petit peu optimiste. Et en fait, quand on a commencé, bon, je me suis rendu compte assez vite qu'on avait trop grand de terrain et que si on voulait vraiment se nourrir, c'était pas envisageable de faire ça à la main, d'autant plus qu'on avait les travaux de la maison à mener en parallèle, c'était pas possible. Donc, au début, on nous a donné un vieux motoculteur et on a travaillé au motoculteur et j'aimais pas du tout le travail que ça faisait, donc au bout d'un moment, on s'est dit c'est pas possible, il faut passer à un autre système qui soit pas manuel mais qui soit pas non plus un motoculteur, et on est tombé d'accord pour travailler en traction animale. Donc, on a fait un stage de 3 jours. Laurence, je t'interromps parce qu'en même temps que tu parles, tu ne le vois pas. On voit votre âne, la petite charrue qui est derrière. Je ne sais pas exactement, tu me diras le truc orange là. Et puis deux personnes, et il pleuvait ce jour-là. Voilà, c'est juste pour te dire ce que les gens voient pendant que tu parles. Alors, il pleuvait effectivement ce jour-là. Donc, la personne en vert devant, c'est moi parce que moi, je mène notre ânesse. On a 2 ânesses, hein. Donc on a acheté 2 ânesses, et alors des ânesses, pas des petits ânes gris, hein, des grandes ânesses, des bêtes qui font pas loin de 300 kilos et qui sont robustes et qui peuvent tirer l'outil sans problème.
Et on a investi, alors là, ça a été un gros investissement, mais on dépense quasiment jamais rien, mais quand il y a besoin d'un investissement qui va, en fait, nous aider à payer moins derrière, là, on trouve la, enfin, on achète ce qu'il faut. Et donc, cet outil, ça s'appelle une cassine. C'est un porte-outil moderne. Ça a été travaillé. C'est une amélioration des outils anciens pour travailler le sol en traction animale. Et donc, c'est un porte-outil sur lequel on peut changer les outils de travail. Donc, on a une lame qui permet de décompacter le sol. On a un canadien qui va casser les mottes. Et puis, on a des billonneuses. Alors, c'est deux lames circulaires, un petit peu en oblique, et qui vont creuser le sol dans les allées et le remonter sur des billons pour faire donc des petites buttes. Des buttes, elles permettent d'avoir plus haut de terre décompactée sans travailler le sol en profondeur, donc sans perturber la faune qui a besoin d'oxygène et celle qui n'aime pas du tout se retrouver en haut. Et puis, elle permet d'avoir pas de rennes quand il pleut trop et l'eau remonte par capillarité quand il fait sec. Donc, on travaille en tous les deux, moi qui mène l'âne et puis mon mari derrière. Donc, on voit là en train de se battre avec l'outil pour enclencher les disques billonneurs. Alors, tu as beaucoup encore d'autres choses à nous dire, notamment donc tu as des élevages de poules, etc. Tu peux nous en dire deux mots. Voilà, on voit là les poussins, canards, cochons. Des petits canetons, oui, avec leur mère. J'avais pas de photo de poules sous la main. Donc nous, on n'est pas végétariens. En plus, on mange très très peu de céréales, donc la viande pour nous c'était indispensable. Et il était hors de question d'acheter de la viande. Pour plusieurs raisons, et en particulier éthiques, c'est-à-dire que je voulais être sûre que les animaux que je consomme aient été élevés dans de bonnes conditions, dans le respect de leurs besoins physiologiques, et qu'ils aient été abattus dans de bonnes conditions aussi. Donc pour ça, eh bien, on a décidé d'élever nous-mêmes la viande qu'on consomme et de tuer à la maison. Donc on a des poules, on a donc des canards, et un ou deux cochons selon les années, parce que ça fait trop de viande pour nous. Toujours dans un but d'autonomie, plutôt que de prendre des poules et puis d'être obligé de reprendre des poules quand elles commencent à vieillir, on a décidé dès le départ d'avoir un parquet de poules avec un coq, de laisser les poules couver. Donc pour ça, on a évité les poules de réforme pondeuse à pas cher, mais qui savent plus couver pour la plupart, et on a pris des races anciennes qui sont pas des grosses pondeuses, qui font pas des gros poulets, mais qui savent encore se dépatouiller tout seuls. Et donc, mes poussins naissent sous la mer et sont élevés par la mer. Pareil pour mes canards. Il y a pour le cochon où là, on a, pour une question de quantité de travail, renoncé à avoir un mâle et détruit, et on prend un ou deux cochons par an. C'est chez un éleveur qui fait de l'élevage en plein air. Très bien. Et vous complétez tout ça en allant chercher par cueillette ce qu'il y a autour de chez vous. Qu'est-ce qu'il y a autour de chez vous? Alors, autour de chez nous, il y a plein de plantes qui se consomment. Les coucous, les feuilles des coucous au printemps, les pissenlits, bien évidemment. Tout un tas de plantes sauvages qu'on peut consommer. Mais on a aussi la chance d'avoir des bois à champignons. Donc, on a cèpes, girolles et tout un tas de... Et puis surtout, on a une forêt de châtaigniers avec des châtaigniers greffés anciens, pas les variétés hybrides modernes farineuses et sans goût, mais les variétés anciennes bien parfumées. Et la châtaigne représente une bonne partie de notre alimentation d'hiver. Donc on la ramasse à l'automne, on en ramasse plusieurs centaines de kilos, on stocke, alors on en fait sécher pour faire de la farine. Et puis j'en transforme une bonne partie aussi en crème de marron qui va me servir de base à plein de gâteaux à la place de la farine. On voit votre cellier là actuellement, tu peux nous le commenter? Voilà, donc on a créé un cellier isolé à l'intérieur de la grange parce qu'on n'avait pas de cellier dans la maison et qu'on perdait une partie des récoltes tous les hivers parce qu'il gelait dans la grange. Donc là on s'est décidé, on a créé un cellier donc comme un bâtiment indépendant à l'intérieur de la grange, totalement isolé,
donc avec de la sciure dans les parois et une couche de ouate posée en vrac sur le dessus. Et ce cellier nous sert à conserver tous les légumes d'hiver, donc les pommes de terre, les courges, les chayottes, les patates douces, tout ce qui est ail, oignons, échalotes, mais aussi les bocaux qu'on fait en été avec les légumes d'été et qui nous nourrissent surtout sur la fin de l'hiver et le début du printemps, parce qu'en hiver, on a encore beaucoup de légumes au jardin, ce qui fait que la période où on n'a plus trop de légumes frais est vraiment très, très réduite. Qu'est-ce que vous avez en hiver comme légumes? En hiver, ben, on a les poireaux, les carottes, les céleris raves, on a les betteraves, on a aussi des choux, plein de variétés de choux différentes, choux de Bruxelles, choux de Milan, les kale, on a aussi des salades d'hiver, de la mâche, et puis, non, ben là, Très bien, non, mais c'est parfait, mais je veux dire, en hiver, ça pousse peut-être moins vite quand même, non? Ah ben c'est des légumes qu'on va semer au printemps, qui vont faire leur croissance pendant l'été et l'automne, et puis qui vont rester en terre tout l'hiver sans vraiment pousser, mais qui ne bougent pas, quoi. Oui, d'accord. C'est un moyen de conservation finalement. Sur la mesure des besoins. En terre, voilà. On va terminer, mais tu vas rester parce qu'après dans la discussion, mais sur les, parce que finalement c'est le grand luxe chez vous, hein, vous avez tout, la crème de marron, au jambon, etc. Et est-ce que vous avez, oui, vas-y. Oui, on a le miel aussi avec nos ruches. Oui. Donc j'achète vraiment très peu de choses. Alors tu fais cuire par un cuiseur solaire que d'ailleurs votre ami, enfin membre du groupe Barnabé Chaillot, qui est, je crois, vers Voiron, était venu nous faire une formation à Annecy il y a 2-3 ans, vous montrer comment, alors je ne sais pas si on le voit déjà, voilà, on voit à l'écran votre cuiseur. Alors c'est marrant parce qu'on voit une cocotte au milieu, elle paraît minuscule, alors ça veut dire qu'en fait la parabole est très grande sans doute. Alors la parabole, je crois qu'elle fait 1,20 m de diamètre, plus la parabole est grande et plus le cuiseur est puissant. Et avec celui-là, je cuis comme sur une gazinière, c'est-à-dire que le temps que l'eau bout et que je fasse cuire mes pommes de terre, ça me prend autant de temps sur le solaire que à la maison sur la gazinière. Mais dès que le soleil est présent, eh ben ça me fait de l'énergie gratuite pour cuire mes légumes, et en particulier quand je fais des grandes gamelles de ratatouille pour stériliser ou le coulis de tomates, les confitures, c'est quand même très appréciable parce que ça ne coûte rien. Écoute, Laurent, c'est extraordinaire. Je vois que, voilà, on voit là aussi tes. Alors, c'est quoi, des cadres avec une paroi en verre par-dessus, cadre en bois. Je crois que c'est un séchoir solaire. Voilà, c'est un séchoir solaire qu'on a autoconstruit et qui me permet de faire sécher les fruits. Donc, on fait les pruneaux, on fait les abricots secs, on fait les figues sèches, raisins secs, on fait aussi les tomates séchées. Donc, ça permet de stocker sur un moindre volume et sans risque de perte une partie des productions de l'été. Bah, dis donc, on pourrait mettre un séchoir sur son balcon, finalement. Ah ouais, tout à fait. Très bien. Écoute, on va. Alors là, c'est exprès. On a dit, si on a besoin de déborder, on déborde. Donc là, on y va carrément aujourd'hui. On ne tient pas l'horaire, mais c'est volontaire parce que c'est tellement riche, il y a tellement de choses que c'est dommage de ne pas profiter de toutes ces infos. Est-ce que tu vas rester après, mais est-ce que tu veux une petite conclusion de comment tu vis tout ça, voilà, de ton vécu globalement, voilà. En conclusion, on vit avec très, très peu d'argent. Les rentrées d'argent sont... au début, on a fait un peu des traductions à domicile et on rentrait l'équivalent d'un SMIC pour deux. Maintenant, les traductions, ça s'est un petit peu arrêté, donc on a de moins en moins... On gagne moins d'argent, mais on vit toujours aussi bien. On mange comme jamais on aurait eu les moyens de manger avant. Je fais mon safran, je fais tout un tas de cultures qui me permettent de manger des choses extraordinaires sans dépenser un centime. Ça ne me coûte que ma sueur. Et puis, on a, comme disait Martine, on a une fraîcheur, on a une qualité de produit que même en y mettant le prix, on ne trouverait pas dans le commerce. Alors évidemment, pour certaines personnes, on pourrait avoir une vie pas difficile, mais... contraignante, parce que on peut pas s'absenter à cause des animaux, parce que le jardin, on y est tous les jours,
Mais enfin, moi, c'est une vie qui me rend extrêmement heureuse, alors que je ne l'étais pas quand j'avais un travail qui pourtant était un travail qui me plaisait. Et je me sens pleinement accomplie. Enfin, je crois que ceux qui ont un potager comprendront quand je dis qu'il n'y a pas de joie meilleure que d'aller au jardin avec un panier, de revenir et de préparer ce qu'on a accueilli. Alors, je peux vous témoigner que moi, j'ai passé des journées à aider des amis qui cultivaient, passer la journée dans la terre à ramasser les pommes de terre. J'ai fait peu de choses, mais on se sent très, très bien. Et c'est vrai que ce qui pourrait paraître un travail harassant et puis d'être tout le temps au même endroit, mais finalement, si on est heureux là-dedans, ben pourquoi s'en priver finalement ? Accessoirement, je suis dans un endroit magnifique. Le Lot, c'est vraiment une très belle région où les gens viennent passer leurs vacances. Et ben moi, je suis en vacances dans le Lot toute l'année. Magnifique. Bon, bah, écoute, le Lot, on te remercie beaucoup. Tu restes en ligne et puis on va continuer parce qu'après, on aura un petit débat parce que nous, ici, c'est une ville de 130 000 habitants et on se pose un petit peu la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va en discuter tout à l'heure. Merci beaucoup, Laurence. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Bien, eh bien, nous avons un troisième témoignage maintenant. Nous allons demander à Vincent de nous... Alors non, je voulais simplement... Il y avait une question. Tout à l'heure, je vais passer la parole à Céline, puisque elle avait eu l'idée de rediscuter avec Martine. Il faut que je retrouve, parce que c'est, hein, il y en a beaucoup de commentaires aujourd'hui. Elle va nous le dire. Céline, tu vas nous redire la question que tu souhaitais poser à Martine. Oui, bonsoir. Alors moi, je voulais rebondir sur le fait que Martine, elle disait que c'était créateur, toutes ces nouvelles perspectives de nouveaux emplois locaux. Et en fait, je voulais lui poser la question pour que ce soit source d'espoir, non seulement pour les gens qui se sont réappropriés leurs capacités, mais aussi pour tous ces jeunes qui ont envie de chercher des emplois verts. Quel type d'emploi était créé en fait? Alors, je suis présidente d'une ADMR en milieu rural et on se rend compte, j'ai créé 5 emplois en 5 ans. Ça peut paraître peu, mais dans un tout petit village, c'est déjà beaucoup. On peut faire travailler des maraîchers autour en bio, des éleveurs. Le restaurant du village fabrique les repas pour les personnes âgées. Les maraîchers peuvent fournir la cantine en produits bio. Et toute cette synergie, elle vient pas de loin. Elle est locale. On peut vraiment retravailler le local avec des ressourceries, éviter de trop remplir les déchetteries et faire travailler des gens qui vont retaper du matériel pour d'autres. On peut inciter la population à faire du zéro déchet pour limiter un maximum les poubelles. On peut faire énormément de choses autour de l'autonomie restaurée. En fait, on revient un petit peu en arrière, mais avec la technologie quand même. Hein. On ne parle pas de Moyen-Âge, on est bien d'accord. Merci beaucoup. J'avais juste une question que j'ai vu passer pour le Lot du Lot qui était est-ce qu'elle accueille des woofers? Et je trouve que c'était important parce que voilà, ça peut dans le woofing pendant l'été, c'est important. Voilà. Et des stages, il y a plein de personnes qui réclament des stages. Alors, le Lot, on te reprendra tout à l'heure pour que tu répondes à cette question. Quel succès! ça, c'est l'occasion de parler parce que justement, ce complément que vous faites avec le local, c'est un petit peu un concept que j'ai proposé il y a quelque temps, que j'appelle les trois tiers. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, d'arriver au stade où tu es, où Laurence, etc., mais d'avoir déjà un premier tiers de tout ce qu'on peut faire personnellement et familialement dans son contexte. Un deuxième tiers de tout ce qu'on peut faire au niveau local. Donc, nous, on a installé plein d'AMAP. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a une AMAP qui vient de se lancer à Mésigny il y a 15 jours. Et la maraîchère, elle fait un temps de travail considérable, mais elle est heureuse de le faire. Ça correspond à ce que disait Lolotte à l'instant. Et le troisième tiers, ben effectivement, pourquoi se priver s'il y a des relations mondiales, qu'elles soient commerciales, amicales, on peut aussi quand même avoir un complément de ce qui existe dans le monde. Pourquoi s'en priver? Voilà. Donc, c'était un petit peu la réflexion qui pourra amener à notre échange tout à l'heure sur comment est-ce qu'on peut à la fois, effectivement, ben, quand on franchit le cap, on va loin, mais au départ, les gens qui sont en ville, il y a peut-être justement le démarrage à faire qui est aussi très important. Alors, je crois que maintenant, on va passer la parole à Vincent, hein, qui est notre troisième témoin. Voilà. Bonsoir, Vincent. Est-ce que tu nous entends? Oui, c'est bon.
Bonsoir. Bonsoir Vincent. Donc, d'abord, dans un premier temps, tu voulais juste intervenir sur, avant de présenter vraiment ce que tu fais, qui est plus dans l'informatique, mais par rapport aux solutions sur l'autonomie énergétique. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé de l'autonomie en eau, en aliments, qui est évidemment importante, mais l'autonomie énergétique est importante. Il faut pouvoir se chauffer, il faut pouvoir s'éclairer, et il est possible de le faire sans être forcément relié au réseau. Alors, mais pour ça, Vincent, on va pas se chauffer avec des capteurs solaires quand même, ça suffit pas. Alors, on va pas. Alors, ça dépend comment on perçoit les choses. On peut se chauffer en ayant déjà une très bonne isolation sur son bâtiment. Aujourd'hui, on sait faire des bâtiments qui ont des isolations qui nous emmènent à des maisons quasi passives, c'est-à-dire qui nécessitent un niveau de chauffage proche de l'inexistant. Et donc là, à ce moment-là, on a très peu de questions à se poser sur le type d'énergie à utiliser pour se chauffer. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, sur des bâtiments plus anciens, on peut utiliser par exemple des vérandas très bien isolées qui peuvent capter en plein sud l'énergie solaire et donc améliorer le confort de la maison en ayant un chauffage qui va durer un peu plus longtemps dans la saison et chauffer que sur une partie beaucoup plus réduite de l'année, dans l'hiver, vraiment dans quelques mois d'hiver. Donc ça, c'est une solution possible. Alors ensuite, donc sur la partie chauffage, il y a cet aspect-là, mais ensuite, il y a aussi toute la partie électrique, où si l'on souhaite être soit résilient vis-à-vis du réseau électrique français, il est possible d'installer différentes solutions de production électrique, telles que du solaire. Alors là, sur l'exemple, on est plutôt sur du chauffage au bois. Mais sur du panneau solaire, comme l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, on a un système qui permet de produire une quantité d'énergie et d'adjoindre à la production que l'on peut avoir sur le réseau, ou alors d'être complètement autonome si les différents appareils électriques que l'on a dans notre habitation le permet. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi d'autres sources d'énergie, l'éolien, l'hydrogène, etc.? Alors effectivement, si on souhaite produire de l'électricité, donc on va regarder au solaire parce que c'est le système qui aujourd'hui demande le moins d'entretien et à mon sens le plus efficace, mais il existe d'autres solutions comme l'éolien qui a son intérêt puisque contrairement au solaire, l'éolien va produire lorsqu'il y a du vent, donc de jour ou de nuit, alors que le solaire, lui, va produire que la journée. On a aussi des productions hydroélectriques, alors c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus compliqué à mettre en place. Mais on peut produire via un courant d'eau sur un torrent, sur une chute d'eau, et donc produire de l'électricité en continu. Donc ça, c'est sur la production électrique. Et puis, sur le chauffage, on n'a pas parlé de l'eau chaude sanitaire, mais il est possible d'avoir de l'eau chaude sanitaire avec différents types de production autonome, soit via un bouilleur et un chauffage au bois. Et donc là, à ce moment-là, l'avantage du chauffage au bois, c'est qu'il ne nécessite pas d'énergie secondaire. Si vous prenez un chauffage par exemple, au granulé, vous allez devoir le brancher à l'électricité en plus de lui fournir des granulés, alors que le chauffage au bois, vous lui mettez simplement du bois, il va être complètement autonome. Et de fait, il va vous produire votre chauffage, et il va vous produire via le bouilleur votre chaude. Et éventuellement, vous allez pouvoir, sur une cuisinière à bois, réaliser de la cuisson d'aliments. Très bien. Juste, je réponds à une question qui a été posée. Qu'est-ce que le woofing? C'est une personne qui est accueillie et qui travaille et qui apprend au champ, qui est logé, nourri gratuitement en échange. Voilà, ce qui est noté là. Voilà, c'était juste la parenthèse par rapport à la question de tout à l'heure. Vincent, est-ce que maintenant, donc, tu peux plus présenter la partie qui est ton expertise, une de tes expertises, donc, qui est d'être informaticien, et ce que tu as mis en place pour les potes autonomes? Tu habites alors, précisons, en Indre-et-Loire, et quels sont les défis techniques que tu rencontres pour gérer ces groupes? Ce qu'il faut comprendre avec l'autonomie, c'est que le fait d'être autonome, c'est aussi reprendre le pouvoir sur l'information, c'est-à-dire l'information de savoir, comme nous l'a présenté le Lot, faire de l'agriculture, retourner sa terre, mais ceci, avoir l'information de comment on peut se chauffer, comme on en a parlé à l'instant, ou produire son électricité. On peut parler de l'apiculture, on peut parler de la chasse, de la pêche, du bricolage, etc. Et donc, toute cette information, elle est très volumineuse et on se doit de l'organiser pour la rendre accessible. Aujourd'hui, on est très présent sur Facebook,
via un groupe mère qui donc a 70 000 personnes et des sous-groupes qui sont organisés par thématique ou par lieu. Donc ça, c'est l'organisation de notre association. Donc ça, on peut effectivement le consulter au niveau du site où là, donc dans l'exemple qui est présenté, on a les différentes thématiques. Donc on va trouver donc les animaux, chasse, la pêche, etc., l'élevage. Je ne sais pas exactement le nombre que l'on a, mais c'est assez varié, assez riche. Et puis on a aussi, vous trouverez sur le site la liste des différents sous-groupes liés aux lieux, donc région, pays, etc. Donc ça, c'est notre organisation. On a des fiches qui sont créées avec des thématiques particulières. Par exemple, là, d'actualité, on a la fiche sur tout ce que l'on peut faire de la courgette, puisqu'on est dans la saison de la récolte de la courgette. Donc, comment la cuisiner, comment la stocker, la conserver, etc. Donc ça, c'est une autre façon de communiquer. Et puis, dans l'organisation, le fait d'avoir des sous-groupes permet de travailler avec l'expérience de chaque personne. Donc, lorsque l'on va dans un sous-groupe d'un thème quelconque, par exemple l'apiculture, on va pouvoir aller s'échanger de l'information avec des personnes plus ou moins expertes dans ces sous-groupes. Donc, ça crée une dynamique autour de thèmes avec des personnes qui sont très compétentes et très pertinentes dans les conseils à donner autour de certaines thématiques. Ok. Donc là, je rejoins un groupe. Je connais rien à l'apiculture, mais j'ai envie d'installer une ruche chez moi. Mais là, je vais être sur Facebook, je vais avoir un fil de discussion énorme. Comment on s'y retrouve là-dedans? Et c'est très compliqué, effectivement. On a pour objectif, justement, alors ce sont des projets aujourd'hui qui ne sont pas encore en œuvre, mais de réaliser une organisation des données différente. Alors, on a plusieurs idées. On a, par exemple, l'idée d'un type de Wikipédia qui nous permettrait de capitaliser toutes ces informations et de les rendre très accessibles, très disponibles et beaucoup plus simples d'accès que via un fil Facebook. Le fil Facebook qui va avoir plus l'intérêt d'aller solliciter des personnes expertes dans un domaine. Moi, j'ai une petite question parce que moi, j'aime bien la technique. vous avez combien de données? Parce que je crois que vous avez une base de données de connaissances assez colossale qui est constituée aujourd'hui, qui sont des tutos, des fiches que vous créez, des supports numérisés, commentés, documentés. Faites-nous un petit peu rêver là. Quelques dizaines de gigas. Claude, il y a des coupures. Ah, je suis désolé. On a quelques dizaines de gigas de données, de fiches. Vincent, est-ce que tu entends bien, Claude? Oui, je l'entendais bien. Alors, je pense que c'est Jacques qui a des coupures, en fait. Donc oui, quelques dizaines de gigas de données, de fiches, de documentation, de PDF, sur tous les thèmes que nous abordons. Claude, du coup, moi j'ai un petit problème. Est-ce que tu peux passer la parole à Céline qui avait des questions à poser à Vincent? Oui, bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors moi je me posais la question de, comme tu as l'air un expert, genre MacGyver autonome, je sais qu'il y a certains savoir-faire, on se les approprie en faisant. Et est-ce qu'il y a des sessions de parrainage, par exemple, entre bricoleurs autonomes, potes autonomes, techniciens, experts, qui transmettent à des débutants, hein, de tous les âges d'ailleurs? Alors, la question est intéressante, puisqu'on en a parlé il y a quelques jours avec Martine, de potentiellement lancer l'idée de faire des lives sur des thèmes particuliers pour donner l'exemple, pour montrer comment il est possible de réaliser. Alors, ça peut être une concert, ça peut être... réparer peut-être sur des domaines plus complexes comme le bricolage. Et donc, la question, elle était dédiée à toi particulièrement sur le côté technique parce que bah, avant c'était un grand-père ou un père qui transmettait ça, d'ailleurs de manière plus classique à leur fils, mais maintenant il y a beaucoup de femmes qui se mettent aussi au bricolage par obligation ou intérêt. Et voilà, est-ce qu'il y a des sessions un peu plus concrètes, voilà, démonstratives, parce que là c'est vraiment un geste accompagné souvent? Non, aujourd'hui, on va avoir que des exemples de personnes qui réalisent et qui vont nous rapporter leur expérience et de montrer que eux arrivent. Et donc ça, la force de l'exemple, elle reste très intéressante. Mais le fait de réaliser en live, ce sera vraiment un plus qui pourrait vraiment motiver des personnes à se lancer dans des sujets où elles pensent être non compétentes, alors qu'en réalité, il suffit de se former et de se lancer pour s'apercevoir qu'on est tout à fait capable.
C'est ça. Parce qu'en plus, c'est vrai que dans le côté citadin, aujourd'hui, dans les grandes villes, il n'y a pas tellement ce recours au bricolage comme avant. Voilà, donc c'était ma question, c'était dans ce sens-là. Et comme je disais au début, le sujet de l'autonomie, si on l'apporte autour de l'informatique, parce qu'aujourd'hui, l'informatique, c'est le moyen le plus rapide pour accéder à l'information. C'est peut-être le moyen le moins fiable, mais en tout cas, c'est le plus rapide et celui qui permet de stocker le plus grand nombre d'informations. Et l'autonomie, c'est vraiment récupérer ce volume d'informations pour l'exploiter dans un sens d'autonomie. Donc, c'est savoir réparer un problème électrique, c'est savoir gérer les maladies de sa ruche, c'est savoir faire des associations de culture comme le Lot, elle nous l'a présenté, etc., etc. Et cette masse d'informations, l'informatique est vraiment intéressante pour la rendre disponible et y accéder rapidement. Oui, oui, c'est le lien pour accéder au concret après. C'est ça. Ouais, c'est utiliser les innovations pour du bien commun et de la résilience, ce qui n'est pas toujours le cas de l'utilisation de la technique. Et sur ce sujet d'autonomie, parce qu'effectivement, les questions se posent, ne serait-ce que le stockage des données, nous, c'est aussi des questions qu'on se pose hein, en tant que collectif ou association. Beaucoup d'outils gratuits existent pour stocker les données. On pense aux géants des GAFA, en l'occurrence. Mais c'est vrai que cette indépendance et cette autonomie, elle va aussi justement dans la partie technique, stockage. Aujourd'hui, le principal véhicule de votre organisation est Facebook. Et moi, je trouve ça génial parce que là, on sort de l'usage que Facebook voulait donner et on revient sur la base de ce que doit être un média social, de gens qui travaillent autour de thématiques, ainsi de suite. Donc, je trouve ça vachement bien. Et puis, sur l'autonomie, juste que peut-être dire un mot quand même aussi de cette nécessité d'autonomie aussi de médias. Et c'est le sens aussi de cette chaîne qui a été créée sur la fabrique de la transition pour s'émanciper aussi au niveau média local. Donc, c'est aussi une dimension dans laquelle on œuvre grâce à la technique. Justement, je peux dire que c'est effectivement grâce à ce qu'ils appellent le confinement, donc, qu'on a découvert, on a été en relation avec des philosophes, des sociologues, avec vous, avec des gens qui sont dans le monde entier, extrêmement facilement finalement. Et c'est une très, très grande richesse. Alors, j'imagine que tout ça est gratuit, hein, les inscriptions. Okay. En fait, c'est de l'entraide parce que nous, ce qu'on a voulu mettre en évidence, c'est effectivement toute l'entraide qu'il y avait. Mais vous, ça fait des années que vous pratiquez ça. Et je pense que là, ça, c'est la plus grande richesse, c'est l'entraide aujourd'hui. D'ailleurs, il y a deux livres qui ont été écrits. Il y a le premier par Kropotkine au début du XXe siècle et puis un deuxième par Pablo Servigne il y a quelques années, qui sont tous les deux intitulés l'entraide, comment est-ce qu'effectivement on a un moteur qui nous permet, parce qu'on a besoin, on l'a vu, hein, quand on se retrouve tout seul, on est mal, donc on a besoin à la fois de lien social et en même temps se donner tous les trucs qui permettent d'avancer et d'être plus autonome et moins dépendant de l'extérieur finalement. Alors là, c'est l'occasion d'aborder la dernière partie, donc là on a fait une bonne heure, mais là on va se donner quelques minutes pour débattre un petit peu, parce que on est dans un contexte urbain, hein. Beaucoup d'entre vous, d'entre les auditeurs certainement aussi. Ici, je vous dis, c'est 130 000 habitants. Donc, comment est-ce que, à partir de notre vécu sur place, avoir un début d'autonomie en ville, comment être force de proposition auprès des pouvoirs publics pour davantage d'autonomie? Donc, qui veut répondre entre Vincent, Martine, Laurence? Moi, Alors, Vincent. Je peux commencer, si vous voulez. Alors, je crois qu'il faut essayer de remettre les choses de manière claire. On ne sera jamais autonome avec un balcon. Ça, c'est évident. On ne produira pas 100% de son alimentation avec un espace de quelques mètres carrés sur un balcon. Bon, ça paraît logique. Pour autant, le fait de réaliser un début d'autonomie à travers un balcon, mais peut-être même dans un appartement sous des lumières artificielles, de faire son premier plant de tomate, sa première salade, et de la goûter et de la manger, c'est ce qui va donner le premier pas vers de futurs projets, de comprendre le sens des saisons, par exemple, vis-à-vis des tomates. On a beaucoup parlé à une époque des gens qui achetaient des tomates en décembre et que c'était pas logique. Le fait de produire ne serait-ce qu'un pied de tomate et de s'apercevoir que la tomate ne pousse qu'en début d'année et ne produit qu'en milieu d'année, c'est comprendre la logique de ne pas acheter des tomates en hiver. Donc ça, c'est un exemple. Mais on pourrait le donner aussi avec un panneau solaire. Un petit panneau solaire
acheté sur un grand fournisseur américain en ligne et un tout petit convertisseur, vous en avez pour moins de 50 euros. Même si vous savez que faire du solaire, ça produit de l'électricité, la première fois que vous voyez votre panneau et votre convertisseur charger la batterie et allumer une lampe le soir en totale autonomie, ça vous fait un déclic. On a une petite lampe qui s'allume dans la tête. Exactement, vous avez une petite lampe qui s'allume dans la tête et là vous dites, mais demain, c'est pas un petit panneau solaire que je veux, c'est peut-être 10, 15 panneaux solaires sur mon toit et une autonomie beaucoup plus forte que ça. Mais il faut faire ce premier pas pour arriver à construire son projet à long terme. Très bien. Alors, je crois que Martine voulait intervenir et compléter. Alors, Jonathan, je pense qu'il faut certaines bases. D'accord. Donc, tous ces tutos, c'est ça ce que vous avez mis en place. Et comment éviter de faire de grosses conneries? Voilà, il vient de demander, Vincent. Comment? Alors, l'électricité, c'est un sujet particulier. Hein. Un quart des feux en France de maisons sont dus à l'électricité. Donc, l'erreur électrique, elle est dangereuse. Donc, effectivement, ce sujet-là est particulièrement compliqué et c'est pourquoi on a fait le choix de travailler avec Permabatterie et qu'ils réalisent certaines installations, parce qu'on avait l'assurance que les installations solaires, qui donc sont des installations qui produisent de l'électricité et donc sont potentiellement génératrices de feu, soient installées dans les règles de l'art par un expert. Donc là, on fait intervenir un professionnel, c'est ça au début ? Oui, bah pour une installation solaire où effectivement les puissances D'accord. peuvent être dangereuses, D'accord. on fait intervenir un professionnel. Mais l'électricité est un sujet un petit peu particulier, le risque est quand même moins grand quand on fait un autre type de bricolage ou quand on va faire de l'agriculture. Bien sûr. Alors, maintenant Martine, effectivement, tu peux faire écho à l'aspect entraide, bénévolat, les fous bénévoles que tu appelles. Oui, c'est une question que Céline m'a posée. Effectivement, nous sommes des fous bénévoles et tout est gratuit. On crée une association où il y aura une petite participation, mais elle est vraiment symbolique pour l'année et elle nous permet de payer le prochain site internet avec la bande passante pour remplacer Facebook, parce qu'on rencontre des problèmes avec Facebook. Facebook, c'est super pour se connecter au monde entier, mais c'est aussi d'autres soucis et beaucoup de censure et être obligé de supporter des tas d'intrusions de gens qui voudraient nous vendre des choses dont on n'a absolument pas besoin. Donc, l'entraide entre potonomes, elle est évidente, elle est réussie dans plein d'endroits. Il y a même des entraides qui nous font pleurer tellement elles sont chouettes. On en a eu cette semaine, on en aura d'autres. C'est comment dire, la mise en application de tout ce que Pablo Servigne a écrit dans son bouquin. D'ailleurs, je crois qu'il a fait partie de notre groupe au début. L'entraide, elle doit absolument être restaurée. L'individualisme, on doit l'oublier. On fait face aujourd'hui à de vrais paris et de vrais enjeux pour les sociétés suivantes. Il faut absolument qu'on valorise cet état d'esprit-là. On oublie l'argent et on rend des choses très, très, très faciles là où on les pensait extrêmement difficiles. J'ai l'exemple d'une jeune Belge qui avait du mal avec son jardin. Les potonomes sont allés l'aider une après-midi et le jardin, il est parti, il est en route et elle était super contente. J'ai eu le message je crois que c'est ce matin, où vraiment elle disait merci pour tout, ça a vraiment été un déclic pour plein de gens de se rendre compte que avec de l'aide et avec la communion des compétences, parce qu'on a des compétences fabuleuses dans le groupe, il y a des compétences dans tous les domaines et dans tous ces domaines-là, il y a toujours quelqu'un qui vient répondre. C'est un petit peu la caverne d'Ali Baba de la réponse aux questions. Les gens viennent en se disant « Est-ce que quelqu'un va me répondre ?» Il y a toujours quelqu'un qui vient répondre et qui est soit un électricien, soit un plombier, soit un juriste, soit un médecin. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre et on défend cette gratuité. On a beaucoup de mal à la défendre parce qu'on n'est pas dans une société qui réfléchit gratuit, mais on y tient particulièrement. C'est ce qu'on fait depuis 3 mois, hein, tout ce qu'on fait bénévole, tous Bravo. Les gens qui apportaient les repas chez les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, tout a été bénévole. Les gens faisaient de la psychothérapie gratuitement par téléphone, etc., etc. Des profs qui donnaient, etc. Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple qui est très important dans les villes. Tout le monde se pose la question de savoir, oui, mais moi, je n'ai pas de jardin.
Il y a des tonnes de personnes âgées qui ont des jardins et des villas et qui ne peuvent plus les entretenir. Et il faut faire passer des petites annonces et partager avec les personnes âgées. Ils ont les outils, ils ont le terrain, ils ont l'eau et ils n'ont plus la force. Et il y a plein de jeunes qui n'ont pas ça et qui peuvent partager. Il faut le créer. On fait même les affiches pour que les gens puissent le faire. Voilà, donc on continue. Il y a eu un mot de Jean-François, je ne sais pas si tu peux le remettre, Claude, qui nous disait, voilà, dans les périodes, puisque Laurence a envie de réagir là-dessus, puisqu'elle ne le voit pas, Jean-François nous dit, dans les périodes anxiogènes, on se sent tout de suite mieux quand on passe à l'action. Une pote autonome a dit, l'action est l'antidote dont on a besoin en ce moment. C'est moi qui voilà. Ouais. C'est tout à fait vrai, hein, d'un point de vue psychologique. En fait, pour couper à l'imaginaire néfaste, on dit toujours que le remède, c'est passer à l'action. Donc, bravo Martine. Comme Laurence est en infériorité numérique, on ne la voit pas, on ne sait pas si elle veut intervenir. Est-ce que tu veux réagir ou est-ce que tu as un truc à dire sur ce qui a été dit avant? Non, mais je suis entièrement d'accord sur le fait que l'action, c'est déjà la première... La première chose est la satisfaction personnelle de commencer à produire de ses mains, mais que ce soit de faire son savon, que ce soit de faire pousser une tomate cerise sur son balcon, que ce soit de fabriquer un tawashi pour faire sa vaisselle au lieu d'aller acheter une éponge. Cette satisfaction-là, notre société ne la fournit plus parce que on achète tout, on vous vend que le bonheur c'est d'acheter. Et c'est pas vrai. C'est de la frustration. On est tout le temps en train de cavaler devant de plus en plus de consommation parce que c'est une satisfaction qui ne dure pas. Alors bien que sûr. Quand on fait soi-même, c'est extrêmement bénéfique pour l'estime de soi. Oui, c'est sûr. Puis ça construit aussi les enfants qui voient faire leurs parents. Et c'est vrai que c'est très important ce que dit Laurence, parce qu'il y a avant on mise tout sur l'extérieur, ce qui est extérieur à nous, alors que là c'est un savoir-faire qu'on ancre, puisqu'en faisant on se sent capable et on est fier de ses réalisations. Et forcément ça crée de la joie et de la confiance en soi dès le plus jeune âge en plus. Alors dans cette dernière partie de discussion, avant d'aborder la petite surprise pour savoir comment rejoindre le groupe, mais donc tout de suite, on revient au cadre urbain. Quelles sont les solutions? Je crois que vous avez aussi travaillé là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de vos membres qui habitent en ville, qui ont déjà mis en place à l'échelle d'une ville dans le sens de davantage d'autonomie. Par exemple, est-ce qu'au niveau des fermes urbaines, il y a eu de l'aquaculture, des cultures sur toit, des remises en culture de terrain autour de villes, comme ça s'est fait à Albi? Alors, qui d'entre vous veut intervenir pour nous donner quelques exemples de ce qui a pu se faire en milieu urbain? On peut parler au moins du concept de la ferme urbaine que moi je trouve intéressant. Alors, on a plusieurs façons de voir l'autonomie. Celui de la ferme urbaine, je le trouve intéressant parce qu'il se situe entre le fait d'être complètement en appartement urbain et d'avoir très peu de possibilités de culture ou d'élevage, et le fait d'être complètement à la campagne sur de grandes surfaces, mais du coup, loin des villes. Donc, par exemple, lorsqu'on a une activité professionnelle, ça peut apporter des difficultés. Et le concept de la ferme urbaine sur des surfaces qui peuvent, par exemple, évoluer de 300-400 mètres carrés à, par exemple, 1000 mètres carrés, ça permet de produire une partie de sa production alimentaire, de son élevage, et puis comme on est dans des volumétries qui ne sont pas suffisantes pour être complètement autonome, on est un peu forcé d'une certaine manière, et c'est bénéfique, de faire du lien social et de faire de l'échange. C'est-à-dire, moi je fais de l'apiculture, je fais du miel, toi tu fais une autre production auquel je peux échanger cette production contre mon miel. Et ce lien social, il est vraiment important dans l'autonomie. Mmh. Je voudrais juste dire quelque chose là-dessus, c'est qu'à un moment donné, les évaluations scolaires et les perspectives de profession, c'était que basé sur des compétences intellectuelles, et on a perdu toute cette valeur du savoir-faire manuel qui était transmis par nos grands-parents la plupart du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette revalorisation de ce qui est manuel, mais pour autant, moi qui ai un balcon pour l'instant, je vais être suffisamment humble pour demander des compétences en jardinage parce que je sais pas faire. Et c'est oser dire je sais pas faire et j'ai besoin d'aide. Et puis que moi je puisse accompagner sur d'autres compétences
qu'elle soit informatique, technique ou intellectuelle. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on va recréer du lien aussi entre, soi-disant, entre guillemets, les intellectuels et manuels. Mais justement, l'autre intérêt d'avoir une ferme urbaine sur une surface qui est, on va dire, contenue, si on parle de 500 m² à 1000 m², c'est de se laisser du temps libre pour se former, pour aller rencontrer, pour aller apprendre. Lorsqu'on est sur un terrain d'un plus grand volume, ça peut être un choix que je critique pas, mais c'est vrai qu'il est on est en occupation 100%. C'est-à-dire qu'on trouve moins de temps pour faire d'autres activités que d'entretenir son terrain, de réaliser son potager, d'entretenir ses arbres, d'élever ses animaux. Ce sont des choix, mais je trouve l'intérêt de la ferme urbaine pertinent. Est-ce que vous avez des expériences d'aquaculture en ville ? Oui, tout à fait. Dis-nous, en quoi ça consiste ? On a un sous-groupe aquaculture et avec une cuve de 1000 litres et un balcon. Alors, il faut que le balcon supporte le poids. Il faut s'enseigner quand même pour ça. On peut produire son poisson pour l'année. Le sous-groupe est à votre disposition. Et au-dessus de cette aquaculture, on cultive des légumes toute l'année aussi. Et ça va plus vite avec l'aquaculture. Mais il y en a qui l'ont fait, voilà. Qui ont fait de l'aquaculture sur leur balcon ? Alors, sur leur balcon, oui. J'aurais pu chercher des photos. Effectivement, on a quelqu'un qui l'a fait. Bon, faites bien attention quand même, effectivement. Un balcon, c'est 300 kg au mètre carré. Voilà, soyez très prudents et renseignez-vous bien dans le groupe pour savoir les résistances au sol et de ne pas entraîner de danger non plus. Voilà, il faut peut-être faire les cuves de façon à répartir le poids, déjà. Voilà, tout à fait. Oui, Claude ? Il y avait une question, alors deux questions. Donc, j'affiche cette première question de Maggie qui dit, Martine, est-ce que tu peux parler de la rubrique mentorat, s'il te plaît. Et une autre demande également autour de la pharmacie. Alors, la rubrique mentorat, c'est une création Facebook où, dans laquelle on a mis nos modules de fiches techniques. Donc, les gens qui ont envie d'apprendre, c'est plus léger que les ressources en général. Les gens qui ont envie d'apprendre et qui démarrent peuvent tout lire et ils peuvent aussi demander de l'aide à des gens plus qualifiés et plus loin dans l'autonomie. Maggie fait partie de ceux qui ont démarré un jardin. Je la félicite. C'était difficile pour elle et elle a attaqué. Il n'y a pas que le jardin. On a du mentorat pour faire de la boulangerie, pour faire des savons. On se rencontre à côté de Buis-les-Baronnies au mois d'août sur le terrain d'un pot-au-neau. Mais il y aura des tas d'ateliers animés par nous. On devait se rencontrer pour l'université d'été nationale au centre de la France, pile poil au centre de la France, dans un petit village qui s'appelle Saint-Vite. De 130 habitants avec un maire génial qui emmène son village en transition. Mais bon, à cause du Covid, on a été obligé d'annuler cette année. Ça n'est que partie remise pour l'année prochaine. Ça pose des tas de problèmes d'organisation légale. Donc, avec le Covid, c'était vraiment trop compliqué parce qu'on risquait de se retrouver 3, 4, 5 000. Et donc, c'était pas pensable. Donc, par contre, on a des rencontres autonomes dans toute la France, dans les départements, où les gens se réunissent à 4, 5, 10. La règle, c'est tout le monde amène un plat de sa fabrication et on partage des ateliers de ce qu'on sait faire. Donc, c'est très variable. Il y a aussi l'entraînement. On peut aussi creuser une réserve d'eau à plusieurs et faire une mare, par exemple. C'est plus drôle à plusieurs. Ouais, localement ici sur la région, est-ce qu'il existe des groupes ? Alors sur la région Rhône-Alpes, c'est la première région de France et la plus animée. On a plein de commandes groupées, on a plein de rencontres qui se passent dans les départements, avec énormément d'ateliers dans tous les coins. Moi, j'ai participé. Ouais. Il y a des groupes par département ou c'est vraiment un groupe Rhône-Alpes ? Il y a Rhône-Alpes et à l'intérieur de Rhône-Alpes, vous avez tous les départements. Ah donc il y a un groupe. Il y a des groupes par département aussi. Tout à fait. Vous en avez un en Haute-Savoie qui est très actif. D'accord, très bien. On vient de commander du sucre. Tout le monde a participé. On commande du sucre à la tonne, du sucre bio. On a commandé il n'y a pas très longtemps du bicarbonate. Au lieu de l'acheter dans les grandes surfaces
3,90 les 500 grammes, on l'a acheté par 25 kilos à 47 centimes le kilo. D'accord. Alors, oui. Alors, un point important, c'est qu'on a remarqué qu'on voit des ruchers en ville parce qu'en fait, les abeilles se plaisent bien en ville. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de pesticides en ville. D'accord, il y a des gaz d'échappement, mais apparemment, c'est évident, hein, c'est les insecticides qui leur font le plus de mal. Donc, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de l'importance des arbres en ville, des floraisons des arbres, et également des parterres de fleurs de fin de saison. Qu'est-ce que tu appelles fleurs de fin de saison, Martine? Alors, on peut regretter qu'en ville, les élus ne pensent qu'à la décoration sans penser à l'alimentation. Et, on regrette beaucoup cet état d'esprit-là. On aimerait avoir plus d'acacias, de tilleuls et de châtaigniers dans l'ordre. Les acacias vont nourrir les abeilles au début de printemps. Après, ça sera le tilleul. Et après, ça sera les fleurs de châtaignier. Ces arbres-là vont donner de la tisane à tout le monde, le tilleul. Les gens ne le regardent pas, mais on pourrait ramasser son tilleul plutôt que l'acheter. Ça donnera aussi des châtaignes à l'automne pour les gens. Donc, c'est nourrissant. J'ai fait, par exemple, un voyage en Moldavie, le long des routes en Moldavie. Toutes les routes sont bordées de châtaigniers partout. Il y a des kilomètres et des kilomètres de châtaigniers dans tous les sens. Pourquoi on ne le ferait pas, nous aussi? Et puis, en fin de saison, les abeilles souffrent un petit peu parce qu'il ne reste plus rien à manger. Il faudrait penser dans les parterres de fleurs à intégrer, par exemple, de la verge d'or, mais il y en a d'autres. La verge d'or, on l'a jusque fin août et c'est le moment où les abeilles peinent un petit peu au niveau de la nourriture. Et il faudrait un petit peu sensibiliser les élus à moduler tout ce qui est plate-bande et tout ce qui est décoration avec de l'utile, revenir à l'utile et au pragmatisme de nos anciens. Alors, il y a des choses, la suricate vient de signaler sur Grenoble et également la semaine dernière, César le Chémia, où effectivement, ils ont, qu'est-ce qu'elle a dit Elle parlait des plates-bandes, effectivement, avec des vivaces sur les plates-bandes plutôt que d'avoir des rosiers, remplacer effectivement les arbres par des fruitiers ou des arbres utiles. On serait vraiment très heureux, d'ailleurs c'est le sens de notre présence ici, hein, c'est aussi se faire entendre des élus ou des futurs élus, nous, les élections, hein, c'est à la fin de cette semaine, voilà, donc on s'adresse au futur maire de la ville d'Annecy. On espère effectivement qu'on arrivera à mettre sur pied beaucoup de projets qu'on a évoqués, hein, les potagers partagés, la culture sur les toits, les fermes urbaines et ainsi de suite. On a plein de lieux à aménager à Annecy, donc l'appel est lancé. Voilà, on sera heureux de. Ils trouveront les associations en face effectivement pour se saisir de ces projets. Alors, j'avais à cœur, si c'est possible, pour Martine ou Vincent, de rappeler ce qu'on avait dit en préparation d'émission sur une personne qui était mal logée en ville, dans un logement où elle avait peu de revenus en plus et qui a été accompagnée vers une belle transition, je crois. Oui, elle l'a dit rapidement, Martine, tu peux préciser un peu. Je peux le redire, je salue Michel, je ne sais pas si elle peut nous entendre dans l'Allier. Elle était, la maison qu'elle a achetée. Elle était dans la région d'Amiens, dans un studio malsain, mal isolé, humide, pour plus de 430 euros par mois, plus toutes les charges. Et elle est arrivée à acheter une maison avec des dépendances, on voit les images, avec un jardin. Et elle a installé les poules cette semaine, voilà, on voit son jardin. Elle paye 305 euros par mois pendant 6 ans et c'est terminé. Merveilleux. Moi, je suis bluffée et je pense que ça a été important d'en parler. Ouais. C'était difficile avec les banques parce que les banques tiennent un langage qu'on ne comprend pas toujours. C'est comment on peut payer un loyer très cher avec des charges très chères et des logements mal isolés et pourquoi les gens ne pourraient pas tout simplement acheter et repeupler les campagnes et apporter, parce que c'est une retraitée, apporter par là même leur valeur ajoutée dans les campagnes. Il y a beaucoup à faire dans cette direction-là. Il faut qu'on arrête de grossir les villes et d'en faire des choses très inhumaines. Oui. Il faut qu'on arrête absolument. Ben magnifique, je crois que cette fois on approche de la fin de cette émission. Si chacun a envie de faire un petit mot de conclusion, c'est le moment de le faire avant de se dire au revoir.
Bah, en tout cas, nous, on était très, très heureux de vous accueillir et on serait très heureux de vous accueillir si vous souhaitez ou s'il y a des demandes sur des sujets thématiques, vu la mine de connaissances que vous avez. Bon, j'espère qu'on va pouvoir être cooptés. Donc, on sait qu'on a des Savoyards, voire des Annéciens qui sont des potes autonomes. Donc, on compte sur eux également pour nous mettre le pied à l'étrier. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir cette mine d'or, comme certains l'ont écrit. Et nous aussi, nous pouvons partager l'autonomie, effectivement, de médias, puisque c'est un média autonome que nous avons créé et que ça peut être créé partout ailleurs. Il faut effectivement un Claude qui connaît bien son sujet, mais bon, ça peut s'apprendre hein, pour maîtriser un peu l'outil. Et on fait des formations gratuites également. Voilà. Donc, créez vos télés locales, mais des télés citoyennes, voilà, qui sont au service des gens, bénévoles, et qui permettent effectivement de booster tout ça. Voilà. Alors, pour rentrer dans le groupe, il y a... Alors, allons-y, la surprise du soir. Vas-y, Martine. Alors, pour rentrer dans le groupe, pour les gens d'Annecy et ceux qui ont regardé cette émission-là, qui ne sont pas dans le groupe, puisqu'il faut rentrer par cooptation, vous remplirez les questions à l'entrée du groupe, en répondant à la troisième question, Perle des Alpes, c'est Annecy, la Perle des Alpes. Voilà. On n'en dit pas plus, on n'écrit pas, voilà. C'est simplement pour que ce soit des véritables gens et non pas des robots qui viennent s'inscrire chez vous. Voilà. Si vous avez suivi cette émission, que vous voulez rejoindre le groupe, dans les réponses, il faudra mentionner la réponse Perle des Alpes, qui est le nom d'Annecy. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est très gentil d'ouvrir votre groupe parce que je crois que les gens ont vraiment aspiré à quelque chose de nouveau. Ça va se traduire, je pense, dimanche. Ça bouge beaucoup. Donc voilà, on espère Annecy, mais on espère aussi ailleurs. Et je pense qu'il va y avoir des changements. Et là, on pourra faire effectivement ces cultures urbaines qui seront également vivrières. Est-ce que Laurence, tu avais une conclusion ? Non, rien de particulier. Merci. Merci beaucoup de ton intervention, Vincent. Aller vers l'autonomie, c'est que du bonheur. Merci, Martine. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette émission. On fait un coucou à toutes les personnes qui nous ont regardé et ceux qui nous regarderont plus tard. Voilà. Donc maintenant, l'émission est dans la boîte. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura une émission sur le volet de l'économie. Une approche de la transition vue plus du côté entrepreneurial. Voilà. Puisque la transition, elle s'applique aussi au modèle économique et surtout au modèle économique, il y aurait des choses à changer. Merci en tout cas, il y a plein de merci et de coucou, je pourrais pas tous les passer. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Encore un immense merci à tous ces potonomes, à Jean-François qui nous a aussi aidé, le potonome local là, qui nous a aidé à monter cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée. Les intervenants, vous pouvez rester en ligne quelques instants si vous voulez discuter. Au revoir aux spectateurs, merci beaucoup de votre attention.